D'accord. Bon, bah, impeccable. Les autres rattraperont Ouais, éventuellement. tout Et ben alors c'est parti. On est ensemble pour une grosse heure normalement. Pour commencer, je vais commencer par me présenter tout simplement. Avant justement, tu l'as évoqué un petit peu, Jérôme, sur les règles un peu de fonctionnement. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de monde, les interactions vont être limitées. On va pas pouvoir prendre les questions orales. Donc c'est pour ça que vous n'hésitez pas à écrire dans le chat. Moi, je vais pas le suivre, mais c'est Jérôme qui va s'en occuper et donc qui m'interrompra. Je pense qu'on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions, mais tu essayes de récupérer un peu toutes les questions qui peuvent être répétées et puis tu m'interromps dès que nécessaire. C'est quand même plus sympa s'il y a des discussions et à la fin de la séance, ben, on essaiera de poursuivre un peu avec ces questions écrites, voir comment on fonctionne pour ça. Voilà, donc les micros, c'est bien qu'ils soient fermés aussi pour qu'on puisse tous ne pas être gênés par les autres. Voilà. déjà, première question, est-ce qu'on donnera la copie du PowerPoint? On aura droit à la copie du PowerPoint, ouais, il n'y a pas de problème pour ça. Allez, c'est parti. Donc, une petite présentation pour commencer, pour que vous sachiez qui je suis. Donc, je m'appelle Yann Boucher et je vous évoque un petit peu mon parcours. D'abord, j'ai été joueur de tennis de table. J'ai commencé à 13 ans et je me suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas forcément très doué pour ce sport, mais j'avais quand même envie de progresser. Donc, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraîné pour pouvoir progresser et j'ai essayé de compenser le petit manque de talent que je pouvais avoir par le fait de travailler avec ma tête, donc avec la tactique et le mental. Donc même en tant que joueur, c'est quelque chose que j'ai essayé de beaucoup développer. À force de travail, j'ai réussi à obtenir le classement numéro 700 il y a quelques années. Voilà à peu près sur mon parcours de joueur. Ensuite, j'ai été entraîneur, donc j'ai passé un BE1, un BE2, et j'ai entraîné pendant des années en club, donc principalement au club de Valence dans la Drôme. Et j'ai eu plus tard l'occasion aussi pendant un an d'entraîner, d'être responsable du pôle espoir Auvergne-Rhône-Alpes à Clermont-Ferrand. Donc une année sur de l'entraînement de haut niveau. Voilà. Et puis après, j'ai eu une reconversion où je me suis reconverti en tant qu'instituteur. Un schéma pas forcément classique dans le sport. Et c'est le métier principal que j'ai encore actuellement. Sauf que j'ai aussi voulu retourner dans le sport, principalement par ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le mental. Et donc, je suis devenu préparateur mental en passant un diplôme universitaire de préparateur mental à l'université de Clermont-Ferrand. C'était il y a 5 ans à peu près. Et depuis, j'exerce un peu cette activité de préparation mentale en plus de mon boulot de professeur des écoles. Cette année, j'ai voulu me former encore un peu, donc je fais un diplôme universitaire de psychologie positive, ce qui me permet d'avoir d'autres outils sur la préparation mentale et puis de l'étendre un peu plus loin que le domaine du sport. Et comme je suis en congé formation, ça me laisse un petit peu de temps et donc la possibilité de m'investir sur la préparation mentale, sauf que les conditions ne sont pas vraiment très favorables pour les sportifs. Donc c'est pour ça que j'essaie de développer et qu'on a mis ça en place avec Jérôme, cette idée de webconférence pour découvrir la préparation mentale. Voilà en quelques mots ce qui m'amène à être devant vous pour aujourd'hui. Alors, sur les objectifs d'aujourd'hui. Donc d'abord, l'idée c'est d'avoir des objectifs qui soient plutôt modestes. On va avoir une grosseur ensemble. Donc je ne vais pas sortir ma baguette magique et vous n'allez pas ressortir métamorphosé de cette heure. L'idée c'est quand même de pouvoir en tirer quelques petites choses. Le premier point c'est d'essayer de prendre conscience que le mental, c'est quelque chose qui se travaille, qu'on n'est pas dans une attitude, dans une situation figée, mais que c'est quelque chose qui peut évoluer. Voilà. Ensuite, de découvrir quelques notions théoriques, donc des notions théoriques par rapport à la préparation mentale, en sachant qu'on reste, comme je l'ai dit, sur un objectif modeste, on est sur une séance de découverte avec des profils de participants qui sont très différents. On a pu voir dans les inscriptions, vous êtes joueur, entraîneur, dirigeant. Mais entre un entraîneur expérimenté et un joueur plutôt débutant, vous n'avez pas les mêmes connaissances théoriques au niveau de la préparation mentale, mais on va essayer d'en donner un petit peu pour tout le monde.
Mais la théorie, ça nous intéresse, mais ce qui peut nous intéresser le plus, c'est de trouver des outils un peu pour pouvoir progresser. Donc, on va essayer d'aborder des outils, je vais vous en présenter trois, des outils de préparation mentale pratique, c'est-à-dire trouver des solutions pratiques pour pouvoir progresser mentalement. Et enfin, ma conception de la préparation mentale, c'est le développement de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on a pu avoir par le passé, et sans doute encore maintenant, des préparateurs mentaux qui sont très présents et avec beaucoup de dépendance avec les sportifs. Moi, c'est pas du tout ma façon de travailler, que je sois surtout quand je suis sur l'entraînement des accompagnements individuels. Le but, c'est de donner des capacités aux personnes pour qu'ils puissent continuer tout seuls. Donc là, l'idée en une séance, c'est que vous ayez des pistes de travail et de recherche, que vous ayez envie de poursuivre aussi, mais soit en le faisant, en vous faisant accompagner par des préparateurs mentaux ou entraîneurs, soit en le faisant tout seul. Pour pouvoir aborder ces objectifs, on va le faire de deux façons. Ben, d'abord, de présenter un peu la place du mental en tennis de table avec des éléments un peu plus théoriques. Et puis après, ce sera la première partie. Et la deuxième partie, ce sera surtout de voir comment progresser mentalement, donc avec la présentation de quelques outils pratiques. Alors, sur la première partie, je vais essayer un peu de vous faire participer avec des espèces de petits sondages qui permettront d'avoir des avis un peu sur là où vous en êtes et que vous réfléchissiez aussi à ce qu'on peut être amené à voir. Donc, les facteurs de performance en tennis de table, comme dans tous les sports, ils sont au nombre de quatre, les aspects physiques, techniques, tactiques et mentaux. Voilà. Donc, c'est ces quatre domaines qui sont présents dans tous les sports, avec pour certaines activités un domaine qui est plus ou moins dominant. Et après, pour chaque sportif, on va avoir nous-mêmes nos qualités à ce niveau-là. Et donc, c'est ce que je vais vous demander de faire un petit peu pour commencer, c'est d'évaluer, d'auto-évaluer entre ces quatre facteurs de performance, quel est votre point fort. Enfin, de les classer de 1 à 4. C'est-à-dire que le 1, ce sera par exemple si votre point fort, vous estimez que c'est le mental, ben vous mettrez le mental en 1, etc. Pour ça, alors je vais enlever le diaporama et je vais vous transmettre sur le chat un petit. Hop, j'arrête ça. Un petit lien. Où est-ce qu'il est? Par ici. Quelques instants. Ça va être un lien Google Form. Voilà. Je vous engage à cliquer sur ce lien. Jérôme, j'imagine que tu as pu le mettre sur le Oui, Facebook je viens de le mettre à aussi. l'instant sur Facebook Ouais, aussi. voilà. Et de remplir ce petit questionnaire. Voilà, j'ai les réponses qui arrivent. Et je vais pouvoir relancer l'écran, mais pas sur le même du coup. Donc, on attend un petit peu, on a une trentaine de réponses déjà qui sont présentes. C'est ce que je vais vous demander. On attend encore un petit peu. On est au moins une cinquantaine de réponses. Ok. Alors, Jérôme, les diagrammes s'affichent là, c'est bon? Oui, tout à Ouais, fait. ok.
Donc, avec tout, ça va se modifier avec les réponses qui vont intervenir, mais on peut regarder un petit peu au niveau de ce que vous avez considéré comme étant vos points forts. Donc, à 27%, la technique. On avait le physique d'abord à 38%. Ensuite, la tactique 23% et à peu près 11% pour le mental. Donc une dominance physique puis technique. En deuxième partie, donc qui reste quand même plutôt un point fort, vous avez mis beaucoup la tactique à 32%. Ça saute en même temps. Ensuite, à peu près égalité technique et tactique et le mental à 20%. Plutôt faible, on avait à peu près un tiers sur du mental. Ensuite, la tactique à 27%, tout comme la technique et le physique à 12%. Et enfin, plutôt faible, 36% pour du mental, 22% pour de la tactique, 17% pour de la technique et 24% pour le physique. Voilà. Donc sur une soixantaine de réponses. Globalement, ça veut dire, ce qu'on peut en déduire par rapport à tout ça, c'est que le vert, donc le mental, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, est soit pour 68% et consiste donc deux tiers des personnes considérées comme soit le plus faible, soit le plutôt faible, donc en 3 et 4. Donc mental qui apparaît comme étant ce qui vous pose le plus de difficultés. Bienvenue, je crois que du coup vous êtes au bon endroit. Si vous m'aviez tous mis du mental en point fort, j'avais plus qu'à aller boire un coup et vous souhaiter une bonne soirée. Alors, je vais repartir sur le diaporama. On en était ici. Yann Boucher. Oui. Coupez bien les micros, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, on est nombreux. Alors, on en était là, on a fait l'évaluation. Voilà. Donc, on a dit le mental, c'est plutôt un point faible. Et du coup, on peut évoquer maintenant la place du mental à l'entraînement avec cette question qui pourrait être combien de temps passez-vous à travailler votre mental à l'entraînement? On va pas faire un sondage par rapport à ça, mais j'imagine quand même très largement les réponses. Ces réponses, elles vont de... Ben, rien, je ne travaille pas le mental, je l'ai travaillé une fois de temps en temps ou je le travaille un petit peu. La plupart des personnes peuvent arriver jusqu'à dire je le travaille un petit peu et c'est sans doute le maximum qu'on peut avoir. À quelques exceptions près, on a sans doute des personnes qui ont trouvé des solutions pour le travailler, mais l'immense majorité des personnes travaillent très très peu le mental. Et donc quand on fait ce constat-là avec le constat qui a été fait juste avant, celui de dire le mental c'est le point faible, on se rend compte de la difficulté et on se rend compte aussi de l'intérêt que peut porter le travail mental et la raison pour laquelle on a un peu de monde aujourd'hui sur cette web conférence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi ce mental se travaille si peu à l'entraînement alors que c'est considéré comme un point faible. Je prends l'exemple, si votre point faible c'est le top spin du coup droit, vous allez le travailler à l'entraînement. Ça va être sans doute une de vos priorités. Si le point faible c'est le mental, on va aussi le travailler. Mais finalement, ça ne se fait pas. À mon avis, pour deux raisons. La première raison vient de ce qu'on appelle les états d'esprit. C'est quelque chose qui a été développé par une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck. On ne va pas faire trop de théories par rapport à ça, mais c'est quand même intéressant ce qu'elle évoque. Et pour ça, je vous propose de lire deux phrases. Une première, l'intelligence est quelque chose qui ne peut pas beaucoup changer. Et une deuxième phrase. Il est toujours possible de fortement changer l'intelligence d'une personne. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de vous dire quelle est la phrase à laquelle vous adhérez le plus. Est-ce que c'est plutôt la première ou est-ce que c'est plutôt la deuxième? Peut-être que vous n'adhérez à aucune, mais essayez plutôt d'en choisir celle qui vous correspond le mieux quand même. Voilà. Maintenant que ce choix a dû être fait, la première phrase correspond à ce que Carol Dweck appelle un état d'esprit fixe. La deuxième phrase correspond à un état d'esprit de développement.
Voilà. Dans ces phrases, elle parle d'intelligence, mais on peut élargir ce concept à toutes les capacités intellectuelles. Et on pourrait de la même façon l'élargir au mental en sport et particulièrement en tennis de table. Un état d'esprit fixe au niveau du mental en tennis de table, c'est de toute façon, je suis nul mentalement et je vois pas pourquoi ça changerait. Exemple, voilà, je suis un sanguin, je m'énerve tout le temps, bah voilà, je m'énerverai tout le temps. Voilà. Ou alors, je suis un anxieux, j'aurai toujours peur. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont actées. Donc à partir du moment où c'est acté, il n'y a pas forcément de raison d'aller les changer. Donc si vous avez opté pour la première phrase, c'est-à-dire un état d'esprit qui est fixe, ça veut dire que vous allez, avec cet état d'esprit, vous n'allez pas forcément vous attaquer au changement. Pour pouvoir aborder le changement, il va falloir essayer de basculer sur un état d'esprit qui soit plus un état d'esprit de développement. Ça veut dire que oui, vous avez des qualités au départ, mais vous avez les capacités de pouvoir les faire évoluer. Donc cet état d'esprit peut être une raison pour laquelle on n'aborde pas le mental à l'entraînement, parce que le mental, on n'est pas sûr de pouvoir le faire progresser. La deuxième raison, c'est par rapport à, c'est, ça vient d'un constat qu'on peut faire sur l'entraînement du mental en club et surtout vis-à-vis des entraîneurs. Moi, j'ai fait pas mal de formations d'entraîneurs autour d'un BE1 et d'un BE2. Et avec un constat, c'est que lors de mes formations, le rôle du mental était vraiment mis en avant. On nous disait vraiment que c'était un des facteurs de performance importants. Alors, il y a un petit retour, Jérôme. Ouais. Jérôme, il y a peut-être un micro d'activer. Ouais. Hop, regarde, je viens d'en désactiver un, c'est peut-être celui-ci. Ah. Voilà. Je me suis permis de désactiver un micro, du coup. Donc, j'étais en train de dire que sur les formations d'entraîneurs, on évoquait beaucoup ce côté mental, mais par contre, la place de la préparation mentale sur les formations d'entraîneurs, elle est très, très limitée. Et moi, quand je suis sorti de mes deux formations, bah, globalement, je ne savais pas prendre en charge l'entraînement mental. Le physique a pris de la place depuis de nombreuses années, petit à petit, mais le mental, très peu. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Ce que font beaucoup d'entraîneurs, ils font du partage d'expérience, leur expérience de joueur, leur expérience d'entraîneur. C'est-à-dire qu'on va sur des discussions, on va essayer d'expliquer, donner des solutions qu'on a pu vivre en tant qu'entraîneur. Mais on est souvent éloigné de la théorie et on a du mal à trouver des outils. Donc, ce partage d'expérience, il est très intéressant, mais on peut essayer d'aller un petit peu plus loin que ce partage d'expérience. Et les outils et tous les entraîneurs avec lesquels je discute, ils sont souvent intéressés par ces formations. Leur recherche, c'est avoir des outils à travailler à l'entraînement, à proposer aux joueurs, pour pouvoir progresser mentalement. Parce qu'ils sont souvent confrontés à des joueurs qui peuvent avoir des difficultés auxquelles ils ne parviennent pas à apporter des solutions. Et du coup, le résultat, bah, c'est que le mental est peu ou pas travaillé par les joueurs par absence de formation des entraîneurs. Voilà. Alors qu'ils sont, à mon avis, intéressés pour pouvoir y s'y investir. Alors, je passe le. Ouais, avant, est-ce que Jérôme, il y a un peu des questions Oui, alors je vais te faire un petit résumé rapidement. Donc Xavier qui fait remarquer que effectivement le problème du mental, c'est systématiquement en fin de set. Ouais. Je ne comprends pas forcément la question. En fin de set, ça veut dire que on va discuter mental entre les sets? Je pense qu'il veut dire qu'en fin de set, on perd tous ses moyens. Ouais, d'accord. Bon, pour être amené à discuter justement sur ces problèmes qu'on peut rencontrer, les différents types de problèmes, on va l'évoquer dans quelques minutes là. D'accord. Francis qui dit qu'il ne sait pas comment on peut travailler le mental. Ouais, ok. Bon, bah, bienvenue Francis, t'es au bon endroit aujourd'hui. On va l'évoquer justement. Nicolas qui se demande comment savoir si c'est le mental qui nous fait perdre un match et si ce n'est pas autre chose. Ça me permet de revenir un petit peu en arrière sur les facteurs de performance qu'on avait. Hop, c'était là. Parfois, il y a des personnes qui posent la question, quel est le facteur qui est dominant
en tennis de table. Et moi, j'ai deux réponses que je peux faire par rapport à ça. D'abord, je pense que le facteur dominant dans notre sport, c'est sans doute la technique. On est un sport vraiment où la technique est très fine, et si on n'a pas une bonne technique, on ne pourra pas lutter contre les joueurs qui sont efficaces par rapport à ça. Mais l'autre point, et ça peut permettre peut-être de répondre à la question qui était posée, c'est que tous ces éléments-là sont liés. C'est-à-dire que tactique, on va une bonne technique, si on joue à l'envers, ça va pas être efficace. Donc les données, on parle souvent de données technico-tactiques parce que les deux vont ensemble. Une technique, elle va toujours être liée au physique, rien qu'à l'adresse, etc. Donc le physique a l'incidence là-dessus. Et ensuite, le mental est un peu le catalyseur de tout ça. C'est-à-dire c'est ce qui permet de pouvoir aller un peu plus loin. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on sait si c'est le mental ou pas, c'est difficile, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, et le mental peut avoir de l'incidence sur tous les autres domaines. Donc c'est rarement que le mental. Le mental peut être le déclencheur. Petite Une question autre question? de Sébastien, où tu as dit à un moment le mot intelligence et qui demandait une précision sur ce mot-là, si c'est l'intelligence émotionnelle, situationnelle ou cognitive. Ouais. Alors, comme je l'ai évoqué par la suite, là, Carol Dweck, elle évoque l'intelligence dans sa globalité, et ensuite, on peut élargir ce domaine de l'intelligence à toutes les capacités intellectuelles, cognitives ou autres, et là, on l'a élargi sur le domaine du mental. Donc, je dirais que cet état d'esprit fixe ou de développement, c'est valable un peu pour toutes les capacités intellectuelles qu'on peut avoir. D'accord. Petite question aussi de François. L'un des piliers de la mise en place de routines de performance, l'un des piliers de la mise en place de routines de performance, comment les adapter? Alors, un peu plus tard, on va évoquer les routines de performance, donc on pourra faire le point là-dessus tout à l'heure. Voilà. Et enfin, dernière question de Francis. Je trouve difficile de connaître quels sont les ressorts à activer pour progresser mentalement. Ouais, on va l'évoquer un petit peu, ces différents points, mais voilà, quels sont les ressorts à activer? On va parler plutôt des domaines sur lesquels on peut travailler. Voilà. Ok, alors voilà, j'ai remis quelques questions à plus tard, mais il y a plein de choses qu'on va aborder, en sachant qu'il y en a plein aussi qu'on ne va pas aborder, hein, parce que pendant 1 heure, on ne va pas pouvoir aller au fond des choses. L'analyse de leur regard pourrait Parfait. permet. Ouais, on refait un petit point. On a bien évoqué la demande que les micros soient fermés pour que il n'y ait pas trop d'interférences. Donc, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat. Merci. Ça, on l'a abordé. Les objectifs des joueurs pour travailler le mental. Globalement, quand quelqu'un a envie de travailler sur son mental, qu'est-ce qu'il souhaite? La plupart du temps, les personnes qui viennent me voir, elles ont un objectif, c'est de pouvoir reproduire en compétition le même niveau qu'elles ont à l'entraînement. Donc, on pourrait le reformuler tel que je l'ai mis là, parvenir à proposer en compétition son meilleur niveau de jeu et mobiliser de façon optimale ses ressources physiques, techniques et tactiques, comme on peut le faire à l'entraînement. Ça veut dire que leur but, c'est il y a souvent de la frustration de se dire entre ce que je fais à l'entraînement et ce que je fais en compétition, c'est très différent, et c'est mon mental qui pose ce problème-là. Donc ça peut peut-être répondre tout à l'heure à la question d'une personne qui demandait comment savoir si c'est le mental qui intervient là-dessus. On a des joueurs qui ont pas du tout le même niveau à l'entraînement ou en compétition. Donc la plupart des personnes ont cette recherche-là. Par contre, en ce qui concerne les joueurs de haut niveau, on a souvent un objectif qui est différent. Ces joueurs de haut niveau, ils sont dans la recherche du flow. Le flow, c'est un concept qui a été mis en évidence par un chercheur. Allez, je vais même aller jusqu'à vous dire son nom. Il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà, il rapporte beaucoup de points au Scrabble, mais par contre, il faut réussir à l'écrire sans faire de faute. C'est pas toujours gagné. Voilà. Donc lui, il a beaucoup travaillé sur ce concept. C'est même lui qui l'a défini.
le flow comme étant l'état optimal de performance. Il y en a qui appellent ça aussi la zone, on en a différentes dénominations pour cet élément-là. Globalement, c'est un état dans lequel on a pu entrer souvent... tous, j'espère, enfin peut-être pas tous, mais on est nombreux à avoir connu ça. On essaie de se remémorer un match où on était sur un nuage. Il y a tout qui rentrait et on a eu un niveau de jeu qui était sans doute assez inespéré. Donc c'est cet état-là qu'on appelle l'état de flow. Donc certains ont pu vivre ça peut-être plusieurs fois, d'autres quasiment jamais. Moi, ça m'est arrivé de façon assez rare et ça donne souvent un sentiment de facilité, le fait qu'on a l'impression que les choses se fassent au ralenti sans le moindre effort. Donc c'est cet état qui permet d'obtenir les meilleures performances. Et la différence par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les objectifs, c'est que dans cet état-là, on arrive à jouer mieux qu'à l'entraînement, par exemple. Et donc les sportifs de haut niveau, leur particularité, c'est que cet état-là, ils sont capables de le produire de façon plus régulière et presque parfois de le déclencher. C'est ce qui leur permet d'atteindre des performances de ce niveau-là. Donc eux, ils sont capables de jouer souvent mieux en compétition qu'à l'entraînement. Et leur préparation mentale n'a pas comme objectif de réduire cet écart, mais plutôt d'augmenter le niveau de leur performance par rapport à celle de l'entraînement, plutôt que d'essayer de l'égaliser. Alors, on peut aborder maintenant un autre point qui est celle des dimensions du mental. Donc, ces dimensions du mental, on va en trouver quatre. D'abord, le premier point, c'est celui de la motivation. Donc, la motivation qui va concerner l'énergie qu'on va avoir pour s'entraîner, pour jouer, toute la volonté qu'on peut aller chercher. Cette motivation, on va voir sa quantité, mais aussi sa qualité, parce qu'en fonction de la motivation qu'on va aller chercher, elle sera plus ou moins efficace pour nos performances, et puis aussi sa stabilité. On le voit beaucoup, par exemple, en tant qu'entraîneur, avec des joueurs qui ont une motivation qui est très irrégulière rien que sur une journée de compétition, en fonction de la réussite ou en fonction du niveau de l'adversaire, mais aussi sur une saison. Un joueur qui est très motivé parce qu'il vient de faire une belle performance et il vient s'entraîner toute la semaine. Et la semaine d'après, il vient plus s'entraîner parce qu'il vient de faire une contre-performance. On est sur une motivation qui est très aléatoire et irrégulière. Un autre élément, c'est celui de la gestion du stress et des émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui parle bien à tout le monde. Donc tout ce stress bien connu qu'on peut rencontrer en compétition, on parle souvent du bon stress, du mauvais stress, et également des émotions, la peur, la colère, la frustration, etc., pour parler de ces émotions qui nous gênent, mais aussi la joie, l'enthousiasme, tout ce qu'on peut rencontrer, et notre capacité à gérer ça. Troisième point, la concentration. Une donnée fondamentale aussi au niveau du mental pour notre performance, puisque la concentration, c'est la capacité à focaliser notre attention sur un point important. Et donc, se concentrer en tennis de table, ça veut dire focaliser notre attention sur quelque chose. On entend très souvent quelqu'un, un entraîneur ou autre, dire à un autre, un coach, « concentre-toi ». Mais concentre-toi sur quoi ? Et donc, la concentration, c'est savoir sur quoi se concentrer, ensuite parvenir à se concentrer un peu à la demande, maintenir cette concentration, et quand elle part, parce qu'en général, elle part quand même, être capable de se reconcentrer. Donc ça, il y a tout un travail qui est intéressant à faire aussi. Et enfin, quatrième point, la confiance en soi, qui est un autre pilier des éléments mentaux. La confiance en soi qu'on peut différencier avec l'estime de soi. L'estime de soi qui est plus en lien avec... c'est quelque chose de plus stable et qui est vraiment présent dans tous les domaines de notre vie et qui est souvent ancré depuis notre enfance et de tous les retours qu'on a pu avoir de notre environnement. La confiance en soi, elle est dépendante de l'estime de soi, mais pas que, et elle est plus instable. Je prends l'exemple, je viens de faire une série de 10 victoires, quand j'affronterai le 11e match, j'aurai une confiance en moi qui sera plus élevée que si je sors d'une série de 10 défaites. Alors que je suis le même joueur, mais que ça peut être juste à un moment différent. Donc, le mental, on va le travailler autour de ces quatre domaines-là. Et donc, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, je vais vous demander de classer ces quatre domaines-là en fonction de vos réussites. Voilà. Donc, hop, je vais vous mettre
le petit sondage. Voilà, comme ça, vous pouvez aller regarder. Et moi, j'en profite pour boire un coup. Donc, j'ai mis également le sondage sur Facebook. Super, merci. Alors, je vais pouvoir afficher. Alors, on a. Ça s'affiche, Jérôme, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Ouais, ok, merci. Alors, on a pas mal de réponses là qui sont présentes. Donc, vous pouvez voir que en point fort actuellement, à 62%, on a la motivation et après, en deuxième partie, la concentration à 17%, gestion du stress et des émotions à 12% et confiance en soi 9%. En deuxième, en plutôt fort, on a la concentration qui est à 43%, ensuite confiance en soi 20% et gestion du stress et des émotions à 18% et motivation 17%. Plutôt faible, la confiance en soi en tête avec 42%, la gestion du stress et des émotions 26%, la concentration 20% et la motivation 11%. Et en point faible, gestion du stress et des émotions avec 43%, ensuite confiance en soi 30%, concentration 17% et motivation 8%. Voilà. Donc voilà, on a à peu près 70 réponses. Les tendances ne vont pas beaucoup changer. Je vais revenir du coup sur... Une remarque d'Olivier qui dit qu'il y a des réponses qui classeraient bien au même niveau. Mais comme il n'est pas possible de choisir qu'une seule réponse par niveau de réponse. Ouais, bah c'est une bonne remarque hein, de toute façon par rapport à ça. C'est pas toujours facile de le sélectionner, mais ça nous permet d'avoir un regard assez général. Mais de toute façon, ce qui peut en... les réponses qui apparaissent là sont un petit peu celles que je pouvais attendre. En général, les personnes que je peux rencontrer, elles viennent rarement me voir pour des problèmes de motivation. C'est-à-dire que la motivation est souvent considérée comme étant un des points faibles. La concentration est rarement aussi abordée, mais peut l'être quand même. Mais les deux points essentiels sont la gestion des émotions et du stress et la confiance en soi. Voilà. Et la plupart des personnes qui ont envie de travailler au niveau mental viennent surtout pour ces recherches-là, c'est-à-dire gestion des émotions et confiance en soi. Mais en sachant que les deux autres éléments, on se rend compte que c'est nécessaire de les travailler aussi, parce que les personnes ne se rendent pas forcément toujours compte des progrès qu'ils peuvent faire dans ce domaine-là. Et que la motivation, ils l'ont, mais qu'on peut l'aborder d'une autre façon, de façon à ce que ça puisse avoir de l'impact même sur les autres facteurs de performance, enfin sur les autres dimensions du mental. Alors, je vais remettre donc le partage. J'en profite pour poser deux questions. Vas-y. Alors, une question de Nicolas. Lorsque je manque des coups faciles, je m'énerve et je perds mes moyens. Que faire ? Ah, alors attends, je remets le partage d'écran. Eh bien, je crois qu'il faut s'entraîner. C'est le mieux à faire. Ouais.
Non, attends, je vais remettre tout ça. Ça ne veut pas. Du coup, ouais, j'étais un petit peu en train de remettre tout ça. Et tu peux me reposer la question? Donc, lorsqu'on manque des coups faciles et qu'on s'énerve, et que du coup, après, on perd tous ses moyens, donc est-ce que c'est bien ça qu'on parle du mental? Comment le travailler? Alors, si je reviens en arrière, par rapport à ça, on manque des coups et on s'énerve, on perd nos moyens. Donc, on est sur la gestion des émotions. Ça veut dire que là, on a des émotions qui arrivent et donc, on ne va plus pouvoir jouer comme on le souhaite. Et ça va avoir de l'incidence sur la concentration. Je ne suis plus concentré sur ce que j'ai à faire. Et donc, je suis concentré plus sur la colère qui peut être là. Ça peut avoir après de l'incidence sur la confiance en soi. Et puis, à force de ne pas y arriver, eh ben, ça va avoir de l'incidence sur la motivation. Et donc, je vais peut-être plus trop me battre pour jouer. Après, on est typiquement dans des questions où je n'ai pas la possibilité de répondre à cette question en quelques minutes. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de baguette magique pour répondre à toutes ces questions-là, et ça demande un travail assez long. Mais par contre, une chose, on peut se rassurer, c'est de se dire que jouer mal, rater, être frustré et ensuite mal jouer, c'est quelque chose que je pense tous les joueurs connaissent. Voilà. Après, on va aborder justement dans cette partie-là maintenant comment progresser mentalement. Voilà, je ne peux pas répondre précisément à cette question, mais on va essayer d'apporter quelques questions comment aborder la partie mentale. Voilà. Donc là, j'en ai fini sur cette partie de la place du mental en tennis de table et on va aborder le comment progresser mentalement. Est-ce que tu as d'autres questions avant ça, Jérôme ? Une question de François. La psychologie positive est-elle un bon complément de la préparation mentale ? Alors, la psychologie positive, moi, je suis à fond dedans actuellement et je pense l'intégrer dans la préparation mentale en sachant que les objectifs sont souvent différents. La préparation mentale, l'objectif, c'est la performance. Quand on fait de la préparation mentale, notre but, c'est de pouvoir avoir une bonne performance. La psychologie positive, l'objectif, c'est la santé. La santé mentale. On pourrait largement dire que les deux sont liés, oui, mais pas tout le temps. Est-ce que le sport de haut niveau est bon pour la santé? Personnellement, je ne crois pas. Voilà. C'est pas bon pour la santé physique. Et est-ce que c'est bon pour la santé mentale? Je ne suis pas sûr non plus. Il faut être un peu marteau quand même pour se taper 25 heures d'entraînement à jouer au ping-pong chaque semaine. Donc, voilà. La recherche du sport de haut niveau, c'est pas une recherche de santé, ni de santé physique, ni de santé mentale. Maintenant, je pense que la psychologie positive peut avoir sa place parce que ça peut sans doute permettre de limiter les dégâts qui peuvent être apportés par la pratique du sport de haut niveau, par exemple. On a plein d'exemples de champions. Allez, je prendrai du tennis, par exemple, Agassi, qui avait une santé mentale sans doute très détériorée quand il jouait. Il raconte dans un bouquin que le tennis, il aimait pas ça, comment on a fait pour faire une carrière telle qu'il a fait sans aimer le tennis. Mais voilà, la psychologie positive pourrait peut-être permettre que les sportifs de haut niveau et les autres puissent être mieux dans leur pratique sportive qu'ils peuvent l'être parfois. Après, est-ce que ce sera accepté par tous les entraîneurs? Ça, c'est une autre discussion. Une dernière petite question, deux petites questions qui sont très liées. La première de Florian, la deuxième de Francis. La première, c'est dans un sens, j'ai du mal à finir un set. Comment ça se fait? Et la deuxième de Francis, balle de match contre moi, je loupe souvent mon service. Peut-on travailler cela par le mental? Peut-on travailler ça par le mental? Il faut essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on loupe toujours ce service à la fin. Sans doute une raison mentale si on le loupe tout le temps à ce moment-là. Donc, si on arrive à identifier quel est le problème mental, eh ben, on va essayer d'apporter une réponse mentale. Voilà. Et j'ai répondu à la deuxième. La première question, c'était, tu peux me la rappeler? La première, donc, c'était dans l'autre sens. Une personne qui… Alors, attends. Lorsque je mène 2-7 à 0, j'ai alors l'impression que l'adversaire se transforme en une sorte de mur impassable.
et j'ai le sentiment de ne plus avoir assez d'énergie pour aller le chercher, qu'il est devenu imprenable. Comment lutter contre comme ça ? D'accord. Bon. Pareil, on est sur énormément de questions très spécifiques pour lesquelles je ne peux absolument pas apporter une réponse précise. Ça demande beaucoup de travail de pouvoir aborder tout ça. Mais dans cette question, on a parlé de... il a évoqué l'impression de... J'ai le sentiment de... c'est intéressant de ces formulations qui évoquent le fait qu'il y a déjà une conscience que ce n'est pas quelque chose qui est réel. C'est une impression que le joueur qui nous dit ça a une impression de quelque chose et c'est sa réalité à ce moment-là, alors que le joueur en face n'a sans doute pas changé. Donc on est vraiment sur une donnée mentale et la question qu'on peut se poser, c'est comment on a fait pour en arriver à cette situation-là? Comment j'ai fait pour me poser ces questions? Et après, j'essaie de désamorcer un petit peu ce processus. Voilà. Alors, c'est facile à dire, mais voilà, il peut y avoir des solutions pour pouvoir essayer de le faire. On va essayer de l'aborder. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, Jérôme? Une petite dernière. Doit-on travailler le mental en groupe ou seul? Mais peut-être que tu vas travailler après par la suite. Non, celle-ci, elle est, je ne vais pas l'aborder, donc c'est intéressant. On l'abordera peut-être un petit peu sur les différentes propositions qui peuvent être faites par les préparateurs mentaux. On en a de plus en plus des préparateurs mentaux avec des offres qui sont faites sur Internet, etc. Le travail initial d'un préparateur mental, c'est de l'accompagnement individualisé. Ça veut dire que à chaque joueur, à chaque personne, chaque problèmes et problématiques rencontrées, on va apporter des solutions qui seront adaptées. Il n'y a pas de solution toute faite, de recette miracle. C'est pour ça que la plupart des questions que tu m'as posées, Jérôme, je n'ai pas vraiment pu y répondre jusqu'à présent. Mais le but, c'est d'avoir des réponses individualisées en fonction de la personnalité de chacun. Donc, un travail individuel, évidemment, c'est quelque chose qui va être préférable. Après, un travail individuel, ça a un coût, ça prend du temps. Et donc, il y a des solutions collectives qui se mettent en place, soit avec en entraînement, par exemple, sur des séances, avec des entraîneurs qui peuvent être formés ou des préparateurs mentaux qui peuvent intervenir sur des séances d'entraînement. Et puis, il y a des solutions aussi en ligne, par exemple. Il y a des préparateurs mentaux, je sais, qui proposent des formations, même avec en autonomie, des vidéos, etc., et qui vont vous permettre d'apprendre certains fondamentaux. Donc, c'est moins bien que de l'accompagnement individualisé, mais vous allez quand même pouvoir aborder des choses qui sont tout à fait intéressantes par rapport à ça. Même dans des bouquins, hein. Moi, j'ai commencé en allant voir dans des bouquins, donc on peut tout à fait trouver des choses comme ça, donc collectives ou individuelles. Pour, juste avant que tu enchaînes, deux questions qui sont encore une fois liées. Avez-vous des exemples de préparation d'avant-match d'athlètes de haut niveau que vous connaissez? Et la deuxième question, quelle routine conseilleriez-vous pour des très jeunes enfants? Alors, les routines, on va l'évoquer tout à l'heure. Donc, ça répondra un petit peu à la question... à la question pour ça. Sur les très jeunes enfants, j'ai pas forcément de réponse par rapport à ça, parce qu'une routine, elle se met en place en fonction d'un objectif particulier et d'une difficulté rencontrée. Donc il faut l'évoquer par rapport à ça, quoi. Mais on va évoquer les routines un petit peu en troisième point sur les outils qu'on va voir. Alors, comment progresser mentalement ? L'objectif pour pouvoir progresser, ça va être de commencer à prendre le contrôle. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Notre mental, il va créer une réponse automatique. Autrement dit, on va être face à des stimulus et il va y avoir une réponse automatique qui va être abordée. Exemple, stimulus extérieur, je prends une carotte. Voilà. Donc là, il va y avoir des émotions qui arrivent, il peut y avoir de la frustration, sentiment d'injustice, et hop, ça va nous créer de la colère. Une réponse automatique qui peut être faite, réponse négative pour la performance, on imagine, voilà, je m'énerve, je crie, je donne un coup de pied dans la séparation, etc. Je sors complètement de mon match, je me déconcentre. Là, j'ai eu une réponse automatique qui a été négative. Je peux avoir une réponse automatique qui pourrait être positive. Donc, sur l'exemple que j'ai pris, il n'y en a peut-être pas des masses, mais allez, j'ai pris ma carotte et ça m'a donné un sentiment de colère, mais du coup, une certaine rébellion. Et comme j'étais un peu en train de m'endormir sur mon match, ça a pu me donner de l'énergie et ça a pu me faire gagner éventuellement. Parfois, ça peut se produire comme ça. Dans tous les cas,
ce qui se passe, c'est que là, on a eu quelque chose qui s'est fait de façon automatique. Je n'ai rien contrôlé. Voilà. Les choses sont arrivées parce que j'ai eu ce stimulus qui est arrivé. Le but qu'on va avoir là maintenant au niveau de la préparation mentale, ça va être de changer cette réponse automatique. Et je dis bien changer. Une des habitudes qu'on peut avoir quand on essaie de travailler sur le mental au départ, c'est d'essayer d'enlever quelque chose. Exemple, le joueur qui est en train de qui tape sur la séparation derrière, on va lui dire non, ne tape pas sur la séparation. On enlève cette réponse derrière. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter une autre réponse, pas du vide, mais voilà, il y a la carotte qui arrive, il y a la colère qui est présente et on va taper sur la séparation. Ben, cette colère-là, hop, on la sent arriver, on va aller respirer un petit peu, par exemple. On va se mettre en place une routine pour se calmer par rapport à ce problème qui est rencontré. Donc, on remplace cette réponse automatique par quelque chose d'autre. Pour ça, on va avoir deux approches. D'abord, une approche qui va être une démarche cognitive par rapport à ce que je peux contrôler. Donc, quand on parle de démarche cognitive, on va évoquer tous des éléments qui sont liés à la connaissance, à la compréhension, à la réflexion. Donc, c'est une démarche intellectuelle. On va réfléchir à une solution sur quelque chose, un comportement qu'on peut réussir à modifier. Voilà. Donc ça, c'est la première démarche, une démarche qui va être plutôt cognitive. Ça peut se faire largement en se faisant aider, soit tout seul, soit en se faisant aider par un partenaire, par un coach, un entraîneur. Et puis, quand on va se retrouver à certains moments sur des situations qu'on n'arrive pas à contrôler. Exemple, j'ai pris ma carotte, le gamin qui va taper sur la séparation, on lui a dit de ne pas le faire, mais il n'arrive pas à ne pas le faire. Il est dans un moment où c'est incontrôlable pour lui. Donc là, on va partir sur une démarche qui va être plutôt technique. Donc, on va essayer de présenter des démarches de ces deux domaines-là. En commençant par la démarche cognitive. Donc, démarche cognitive, je vous donne quelques exemples pour montrer un peu ce que c'est. La première, c'est de travailler sur la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs, ça va nous aider sur la motivation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la qualité de la motivation, mais aussi et surtout sur la gestion du stress. Quand on a beaucoup de stress sur une compétition, quand on a notre motivation qui évolue, quand on a la confiance en nous également, ça vient souvent d'objectifs qui n'étaient pas forcément bien placés. La plupart des personnes se fixent des objectifs, mais savoir se fixer des objectifs de façon évidente et efficace, ce n'est pas toujours facile. Et moi, sur de l'accompagnement en préparation mentale, le premier travail que je fais, il est toujours sur de la fixation d'objectifs, parce que c'est le point qui permet de porter ses fruits assez rapidement. J'encourage vivement les entraîneurs à essayer d'aller un peu plus en profondeur sur la théorie dans ce sujet-là, parce que c'est un outil qui est vraiment intéressant pour accompagner les joueurs. Un autre aspect, c'est la gestion de l'erreur. On va l'évoquer dans quelques instants. Un autre qu'on peut évoquer, c'est les croyances limitantes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut enlever à partir de la démarche cognitive. Croyances limitantes, j'explique un peu ce que c'est. C'est des croyances qu'on est nombreux à avoir et qui nous limitent dans nos performances. Exemple, j'ai jamais gagné contre un picot. Ou, autre exemple d'une situation, on est un joueur qui nous dit quand je mène 2-0 et que je me fais remonter à 2-2, je gagne jamais. Et là, en tant que coach, on a pu s'arracher les cheveux avec des petits trucs de ce type-là. Ce qui se passe en général, il mène 2-0, il revient à 2-2. On va au coaching en entre-sept et il nous dit non, mais de toute façon, c'est pas la peine, c'est foutu, j'y arriverai pas. Je remonte quand je me fais remonter, j'y arrive jamais. Donc là, on va utiliser toute la stratégie, toutes nos capacités de persuasion pour essayer de le convaincre que tout est jouable. On va parler tactique, etc. Mais il va y aller de façon désabusée. Et quand il aura perdu le match, parce qu'il y a des grandes chances qu'avec cet état d'esprit-là, il le perde, il va se retourner vers nous à la fin, il va nous dire « Tu vois, je te l'avais dit ». Ça veut dire qu'il a rajouté à cette croyance limitante et globalement, c'est quelque chose qui devient un petit peu une limite qui peut durer pendant un moment. Donc ça, c'est des choses qu'on peut réussir à désamorcer éventuellement en allant chercher des exceptions ou en travaillant sur d'autres solutions. On va aborder, il y en a plein d'autres sur cette démarche cognitive, mais c'était juste des erreurs. On va aborder un peu la gestion de l'erreur. Vas-y, Yoann, ta question. Yoann, une petite remarque là sur les objectifs que tu parles là. Jean-Luc, il dit que se fixer un objectif, c'est aussi se mettre une pression et donc s'ajouter du stress.
Eh ben, je suis bien d'accord avec Jean-Luc. C'est-à-dire que se fixer des objectifs, c'est aussi se mettre de la pression, en effet. Mais pourtant, les objectifs sont indispensables. Mais on peut se fixer des objectifs qui sont là pour nous aider sur notre concentration et qui sont là aussi pour nous aider à garder le cap de ce qu'on veut aller chercher. Par contre, se fixer des objectifs qui sont inadaptés ou on peut dire plutôt insuffisants, c'est ces objectifs-là qui vont créer beaucoup de stress. Mais ne pas se fixer d'objectifs, c'est aussi une erreur, parce que de toute façon, quand on fait de la compétition, on en a. Voilà. Et quand tu Mais je parles suis bien d'accord. d'objectifs, c'est des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Eh ben on est tout ce travail par rapport à ça. Justement, cette fixation d'objectifs, quand on le travaille, on va apprendre à se fixer des objectifs à long terme qui vont pouvoir nous aider à maintenir le cap et des objectifs, par exemple, à court terme qui vont être simplement ceux d'une compétition. Très bien. Puis une petite remarque d'Antoine qui dit que le meilleur moyen de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe. Ouais, bon, après, disons que une idée, un objectif précis, ça peut quand même nous aider à avancer. Après, je pense que l'adaptation est quelque chose de nécessaire et une idée fixe, ça peut être aussi être borné. Mais on a quand même plein de champions qui étaient bornés sur ce qu'ils voulaient faire et tout le monde leur disait que c'était pas possible et qui ont réussi. Donc, on peut avoir voilà un contre-exemple par rapport à ça. Je poursuis, c'est bon? Oui, une petite dernière question. Est-ce que prendre du Allez. plaisir, c'est un objectif? Alors, bah c'est quand j'ai animé un atelier et puis je le proposerai sur la fixation d'objectifs, et c'est une question justement qui se pose à ce niveau-là. Bah moi, je pense que c'est un objectif, c'est quelque chose qu'on a les capacités de. Enfin, on peut œuvrer pour l'atteindre. Prendre du plaisir, c'est souvent une conséquence, mais on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions par rapport à ça. On ne sait pas tous comment faire pour pouvoir prendre du plaisir. C'est plutôt un vœu pieux, un souhait, à mon avis, prendre du plaisir. Une petite dernière. Allez. Alors de Jean qui nous dit qu'il a entendu dire qu'il fallait privilégier les objectifs opérationnels plutôt que les objectifs de résultat. Ouais, voilà, c'est exactement sur ce niveau-là qu'il faut intervenir. Il y a deux types d'objectifs. Des objectifs, donc, il est appelé opérationnel, on appelle ça souvent objectif de maîtrise, objectif de processus, et contrairement aux objectifs de performance, qui sont des objectifs qui sont pas. Globalement, on va chercher à suivre des objectifs qui sont liés à nous, pour lesquels on peut avoir du contrôle. Voilà. Les objectifs pour lesquels on n'a pas de contrôle. Et ben voilà, c'est des objectifs qui sont vecteurs de pression et de stress. Une phrase sympa de Xavier, du plaisir naît la performance. Ouais, il y a plein de personnes qui pourraient te dire l'inverse. De la performance naît le plaisir. Voilà. Donc voilà. Voilà. Qui a raison par rapport à ça, je ne sais pas. Alors là, je voudrais aborder le thème de la gestion de l'erreur, qui est un point assez facile à aborder. On peut imaginer que c'est quelque chose que vous êtes nombreux à faire de façon correcte, mais c'est à traiter dans le bilan de compétition. Et pour moi, c'est important quand même de pouvoir le revoir. Donc c'est un premier outil qu'on peut voir. On va imaginer un match bah, qui s'est mal passé, c'est-à-dire une défaite. Allez, un match que vous êtes sans doute nombreux à avoir vécu. Allez, on va dire qu'on l'a tous vécu. Vous savez, ce petit match-là, quand on sort, on l'a perdu et puis on se dit, ce match-là, j'aurais jamais dû le perdre. Voilà. Bon, la dernière fois que j'ai perdu contre Jérôme, c'est peut-être bien ce que je me suis dit d'ailleurs. Ouais. Et donc là, on ressort avec pas mal de frustration à ce moment-là et on n'accepte pas forcément cet échec. On a deux attitudes qui peuvent être abordées à ce niveau-là. La première, c'est je cherche à ne plus y penser. Globalement, cet échec, c'est un mauvais souvenir, c'est quelque chose de désagréable. Et la première attitude, c'est je vais essayer de ranger ça sous le tapis. Je vais pas prendre mon poignard et puis me continuer à y aller très fort comme ça pour me faire du mal. Je veux juste totalement oublier ce problème-là. Voilà. Et ça, on a quelques joueurs qui ont cette attitude-là. La conséquence, c'est l'absence de progrès. Ça veut dire que cette défaite que j'ai pu avoir
puisque j'estime que j'aurais dû gagner ce match-là, c'est que j'ai dû faire des erreurs. Je ne vais pas forcément les corriger, donc il y a une absence de progrès à ce niveau-là. En général, quand j'ai un joueur qui ou on fait un bilan de compétition qui me dit quelque chose comme ça, je lui dis « mauvaise nouvelle, tu le rejoues la semaine prochaine », ça risque de se passer de la même façon puisque tu n'as rien appris. Donc, on va plutôt aller chercher la deuxième attitude, c'est « je traite les erreurs ». Je traite les erreurs, ça veut dire que je suis sur la mentalité de développement. Vous savez, l'état d'esprit qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, ça va créer un progrès, une acquisition d'expérience. Globalement, j'ai fait des erreurs. Je vais aller chercher quelles sont ces erreurs. Et une fois que j'ai trouvé quelle était l'erreur, je vais essayer d'aller trouver une solution. Et le but, c'est d'avoir de répit que quand on a trouvé une solution. Moi, je sais que quand j'ai perdu ce genre de match-là, j'ai passé de nombreuses soirées à ne pas réussir à m'endormir parce que je cherchais la solution de ce match dont je n'acceptais pas la défaite. Et je n'avais de répit que quand j'avais trouvé une solution. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver une solution et de l'essayer la fois suivante. Mon but en tant que sportif et pour progresser mentalement, c'était de me dire, je ne veux pas faire deux fois cette erreur. Donc, s'il y a une erreur que j'ai pu faire à un moment, le but, c'est de ne pas faire la même chose. C'est-à-dire, quand j'ai pris une carotte et que je me suis énervé et que j'ai après loupé mon match à cause de ça, le coup d'après, je me dis, quand je prends une carotte, je ne vais pas taper contre la séparation, mais je fais autre chose. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être amené à trouver d'autres solutions. Après, cette erreur, la solution n'a pas marché. On a peut-être pu trouver une autre solution, et à force de chercher, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des choses. Donc, ça peut permettre un peu de répondre à toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de réponse toute faite. Les joueurs qui perdent leurs moyens à un moment donné, etc. L'idée, c'est vous vous rendez compte de ce qui se passe, changez d'attitude, essayez autre chose. Voilà. Vous essayez un truc, si ça marche, vous le gardez, vous le modifiez un peu. Si ça ne marche pas, vous essayez encore. En travaillant avec des entraîneurs, j'en avais un qui disait tout le temps à ses joueurs, mais apportez-moi des nouvelles erreurs. Et ça, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Apportez-moi des nouvelles erreurs. Si vous ressortez de vos matchs en ayant fait les mêmes erreurs et face aux difficultés, faire les mêmes réponses, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, l'expérience, elle viendra de là. Petite question par rapport aux erreurs. Il est très difficile d'analyser soi-même ses propres erreurs. Par exemple, quelle est l'erreur quand on loupe un coup facile? Et puis, un petit complément, la vidéo permettrait d'aider les joueurs justement à identifier les erreurs qu'ils ont faites. Alors, les erreurs techniques, ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Après, des erreurs de comportement, on peut le voir. Je prends le fait de s'agacer, par exemple, etc. Ou des situations, ou des pensées, ou des choses comme ça qui sont venues. On peut se rendre compte de ce qui se passe. Et autrement, par rapport à la vidéo, en effet, je pense que la vidéo a un apport très intéressant. Et j'encourage vraiment les joueurs à utiliser la vidéo pour un élément aussi tactique qui peut être toujours assez surprenant. Et je pense que c'est trop peu utilisé dans le tennis de table. Donc, une petite phrase de préparation mentale. Les préparateurs mentaux ont souvent beaucoup de petites phrases qui essayent de donner beaucoup de sens. C'est « j'ai le droit à l'erreur », phrase qu'on entend assez régulièrement, mais pas de ne pas traiter cette erreur. Donc, ça répond aussi à ça. Une autre phrase encore, Nelson Mandela, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà. L'important sur cette erreur, c'est d'apprendre. Alors, comment je vais gérer mon échec? Alors, la première démarche, c'est identifier les erreurs que j'ai commises en évitant de m'accabler ou de me juger. Ça veut dire que le but, c'est pas de se dire, mais voilà, je suis vraiment un abruti d'avoir fait ces erreurs-là. C'est on identifie ce qui s'est passé. Voilà, on essaye de se rendre compte. On fait une petite liste. Voilà, une fois qu'on a identifié, on va chercher les éléments déclencheurs. C'est-à-dire, voilà, je me suis énervé et complètement déconcentré. Qu'est-ce qui a créé le déclencheur pour ça? C'était, par exemple, du bruit sur la table d'à côté. Voilà. Hop, j'ai trouvé le déclencheur. Je cherche une solution. Qu'est-ce que je peux faire si la même situation se produit? Ok, s'il y a du bruit sur la table d'à côté, hop, je prends mon temps, je me reconcentre, je vais prendre la serviette, je prends un temps mort, etc. Hop, j'ai trouvé une solution.
je peux aller dormir tranquille. Voilà. Et après, je mets en application cette solution, si possible, à l'entraînement. Voilà. Hop, si jamais ça se produit à l'entraînement, j'essaie de le mettre en place. Et puis après, je le mets en place en compétition. Ce n'est pas toujours possible à l'entraînement, parce que le principe du mental, c'est qu'on va être beaucoup plus friable quand il y a de l'enjeu et quand il y a de la compétition. Donc, il y a plein de moments où ce n'est pas évident de le mettre en place à l'entraînement. Donc, c'est pour ça que les compétitions, les séances de compétition à l'entraînement sont intéressantes à faire dans des situations les plus proches possibles de ce qu'on peut vivre en compétition. Allez, encore là-dessus. Après, un bilan, là, on a beaucoup parlé des erreurs. C'est intéressant de voir aussi les réussites pour deux choses. On parlait de psychologie positive tout à l'heure. Mais là, ne pas voir que le négatif, mais se faire du bien, accentuer les émotions positives. C'est-à-dire, sur un match, il y a peut-être des choses qui ont été positives. Je pense qu'on est toujours capable d'en tirer quelques-unes, même si elles sont légères. Ça peut être, j'ai joué le pire match de ma vie, mais j'ai réussi à ne pas casser ma raquette. Voilà. C'est maigre hein, comme élément positif, mais on peut peut-être déjà se satisfaire de ça. Et puis, aller chercher les réussites pour améliorer sa confiance en soi. Si on prend son temps qu'à aller chercher les choses qui ne vont pas, oui, on va progresser, mais on va peut-être oublier aussi ce qui va. Donc, il faut aller chercher cet élément-là. Voilà, sur la gestion des erreurs, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet Non, il n'y a plus de questions. Non. Plus de questions. Juste une petite remarque, il y a une ou deux personnes qui doivent partir à la conférence et qui nous souhaitent une bonne soirée, qui nous remercient pour la visio. Donc, le replay sera disponible pour voir la fin par la suite. Ouais. Ok, merci. C'est vrai qu'on était parti, j'avais dit quoi, une heure et quart à peu près. Là, c'est vrai que les questions, ça prend un petit peu de temps, donc on va déborder un petit peu sans doute. Mais comme tu dis, il y a le replay. Quoi. Alors, j'ai abordé tout à l'heure la démarche cognitive. On va parler maintenant de la démarche technique, c'est-à-dire aborder quelque chose qui n'est pas juste lié à de la discussion, mais plus à une démarche technique, souvent liée soit à des techniques de relaxation. En préparation mentale, on va beaucoup travailler sur la relaxation et l'imagerie mentale, qui sont les deux éléments fondamentaux qu'on peut voir en général. Relaxer pour pouvoir faire évoluer notre niveau d'activation, de relaxation, etc. Et l'imagerie mentale, qui est l'outil par excellence qui est utilisé dans tous les sports, soit pour du travail technique, du travail de confiance en soi, du travail de concentration, sur les routines. Ça peut se faire à l'entraînement, mais ça peut se faire pendant la compétition, avant la compétition, et qui est aussi quelque chose qui se travaille de façon importante. Voilà. Et vous en faites tous de l'imagerie mentale, mais sans en avoir forcément conscience et sans utiliser obligatoirement le bon outil. On a la pleine conscience également, qui est une technique de méditation qui est très présente actuellement. On va prendre l'exemple là d'une forme de relaxation. Avant, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet, Jérôme? Je pense que tu vas y venir. Vous utilisez le shiatsu ou d'autres techniques de relaxation, justement? Ouais. Bon, on va parler de respiration là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir par rapport à ça. Donc, l'idée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que vous repartiez avec des outils. Et là, je vais vous faire expérimenter. Donc, avec une technique de respiration qui s'appelle la respiration abdominale. Donc, sans doute que sur le nombre que vous êtes, il y en a beaucoup qui connaissent, parce que c'est une technique qui est utilisée dans de nombreux domaines, pas que dans le sport. Une technique assez simple. Globalement, j'explique d'abord quel est l'intérêt de travailler sur la respiration. On essaye d'imaginer les situations qui nous ont été proposées, les difficultés en fin de set, de l'agacement, etc. Si vous aviez un conseil à donner à cette personne, vous auriez sans doute plusieurs remarques que vous pourriez faire, mais ce qui devrait revenir peut-être le plus souvent, c'est aller, va faire un tour et souffle, respire. C'est quelque chose qu'on va avoir comme idée assez intuitive, c'est d'utiliser la respiration pour pouvoir se calmer. Et en effet, toutes les techniques de relaxation, elles sont basées sur la respiration. La respiration nous permet de nous calmer, de faire revenir un petit peu le calme, parfois aussi de nous activer. Donc ça, c'est une autre respiration légèrement plus technique, mais pas beaucoup plus. Là, on va essayer d'en voir juste une, la respiration abdominale. Et cette respiration, elle a pour but de pouvoir se calmer. Donc, alors, pourquoi apprendre à respirer? Voilà. Pour se relaxer, comme je viens de le dire,
pour se concentrer. La respiration, c'est utile aussi pour se concentrer quand on a du mal à se concentrer et qu'il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas penser. On est en train de s'énerver sur quelque chose, etc. Ne pas penser à quelque chose, c'est quelque chose qui est simplement impossible à faire. Ce qu'on peut faire, c'est penser à autre chose. Et la solution, c'est la respiration. Donc, se concentrer sur sa respiration, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes et d'éviter un petit peu toutes ces pensées parasites qu'on peut avoir qui nous gênent à ce moment-là. Ces respirations, alors, on va la voir. Elle s'appelle la respiration abdominale. Donc, vous voyez un petit peu sur l'image, j'explique globalement. C'est une respiration qui est naturelle, que le nourrisson, par exemple, fait systématiquement, qu'on peut faire en général quand on dort, mais pas obligatoirement, mais qu'on a un peu tendance à oublier ensuite au quotidien, alors que c'est celle qui nous aide le plus. Quand on respire, on a souvent tendance, surtout quand on est en train de faire notre pratique sportive, d'utiliser plus la poitrine. On va utiliser une respiration qui va être plus thoracique, et la respiration qui va plus nous calmer, c'est une respiration qui va utiliser l'abdomen, autrement dit le ventre. Vous pouvez le voir là sur l'image. Quand on va être sur l'inspiration, donc quand l'air va rentrer, on va essayer de gonfler notre ventre pour que l'air se rentre à ce moment-là. Donc, on va avoir l'impression que le ventre est un petit peu comme un ballon de baudruche qui se gonfle. Et au niveau de l'expiration, eh ben, le ventre va se dégonfler. Donc, voilà. Moi, pour pouvoir le faire, je le fais un petit peu. Je mets une main sur ma poitrine. Je mets une main sur mon ventre. Et je dois voir qu'au niveau de ma poitrine, quand j'inspire et que j'expire, il ne se passe rien. Et quand je mets ma main sur mon ventre, je vais voir à l'inspiration que le ventre se gonfle et à l'expiration que le ventre se dégonfle. Donc du coup, on va profiter, là on va le faire pendant 1 à 2 minutes à peu près. Ça va nous donner un petit moment de calme et ça va vous permettre d'expérimenter un petit peu cette respiration. Donc je vous donne un peu des indications sur la position à tenir. Il y a des grandes chances que vous soyez assis sur une chaise, donc on essaie de se tenir bien droit, le dos bien droit, les pieds qui vont être à plat sur le sol, et on va mettre une main sur sa poitrine, une main sur le ventre. Je vous encourage éventuellement à fermer les yeux pour pouvoir le faire, et on va essayer de le faire avec l'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche. Voilà. Donc on le fait dans le calme et la tranquillité pendant 1 à 2 minutes. On essaye de sentir la fluidité de notre respiration, l'inspiration par le nez, et on sent notre ventre qui se gonfle, et l'expiration par la bouche. Bien, on va arrêter l'expérimentation. Voilà, j'espère que ça a fonctionné pour vous. Alors, quand utiliser cette respiration? La veille d'une compétition, relaxation longue, c'est-à-dire qu'on peut le faire de façon longue. Beaucoup de joueurs, avant une compétition importante, ont du mal à trouver le sommeil le soir. Et ben, dans son lit, tranquillement, plutôt que de gamberger avec toutes ses idées, on se concentre sur notre respiration et on va pouvoir se détendre tranquillement. On peut le faire pendant de nombreuses minutes.
Avant le début d'un match, donc juste avant d'aborder le match, on prend quelques minutes également pour se concentrer et se relaxer de cette façon-là, en essayant de ne pas le faire trop longuement, parce que le but avant le match, évidemment, c'est de ne pas être non plus trop détendu, mais trouver le bon niveau d'activation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend à modérer petit à petit avec la pratique. Et pendant le match, pendant quelques secondes, moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire quasiment entre chaque point, même si c'est juste une inspiration ou deux, mais c'est un moment, hop, je me reconcentre, je me recentre. Donc, on peut être amené à le faire de façon plus ou moins longue et plus ou moins répétée en fonction des temps, pendant les temps morts, entre les 7 aux 6 points avec la serviette. Mais c'est se concentrer sur cette respiration-là, c'est quelque chose qui va être très utile. Alors, comment s'entraîner à respirer? Moi, je peux vous donner un peu mon expérience par rapport à ça. Quand j'ai découvert cette respiration, au départ, c'était il y a longtemps, justement, on avait fait une petite initiation lors d'une formation d'entraîneur. Je sais que pour moi, ça n'avait pas marché du tout. On avait fait une sorte de séance de sophrologie avec la respiration et j'avais vraiment rien ressenti. Je m'étais peu intéressé après par la suite. Et dans ma formation de préparateur mental, là, j'ai été amené à expérimenter de façon régulière. Et c'est avec l'entraînement que j'ai appris à maîtriser cette technique et à ressentir les effets. Donc, c'est quelque chose maintenant que je pratique vraiment de façon très régulière, mais qui n'était pas du tout intuitif pour moi au départ. Je sais qu'il y a certaines personnes dès le départ qui ont expérimenté là, qui s'en sont peut-être rendu compte tout de suite des effets, mais d'autres pour lesquels ils ont dit, mais non, ça m'a rien fait du tout. Ouais, bah, j'étais dans ce cas-là au départ. Donc, il va falloir fonctionner par étapes. La première chose à faire, c'est de le faire dans un endroit calme. Donc, si vous souhaitez expérimenter cette technique, mettez-vous dans un endroit calme au départ, assis comme on l'a fait, ou éventuellement couché. Vous prenez le temps, un endroit où il n'y a personne qui va pouvoir vous gêner, et vous essayez de le faire longuement pour pouvoir bien maîtriser et le faire sans y réfléchir. Ensuite, dans des situations de la vie quotidienne, moi, quand je dis que je le fais systématiquement, ben, je suis en voiture, l'exemple que je prends régulièrement, il y a un feu rouge devant moi, je suis à la bourre, donc je suis en train de m'agacer, et ben hop, là je me dis, mais en fait, c'est pas parce que je m'agace que le feu va passer plus vite au vert. Donc hop, je me calme, je descends un peu mes épaules et je prends quelques secondes pour faire ces respirations, et ça me permet de me faire du bien à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Tout à l'heure, par exemple, vous avez rempli le questionnaire. Voilà. Hop, je dis, ah bah tiens, je vais me détendre un petit peu. J'ai dû faire deux respirations de ce type-là. Ensuite, on va pouvoir commencer à l'aborder à l'entraînement. Et à l'entraînement, ça va être ben, pendant que on nous explique des exercices, ou entre les 7, ou et ensuite après entre les points, pour enfin pouvoir le faire en compétition. Une grave erreur serait de se dire, bah, je vais l'essayer en compétition. Si à 9-9, la solution que vous avez trouvée, c'est de se dire, allez, je vais prendre le temps de respirer en faisant la respiration abdominale, si à ce moment-là, cette technique, elle n'est pas maîtrisée, vous allez vous dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il avait déjà raconté, l'autre, là, qu'est-ce qu'il faut faire comme respiration? Ouais. À 9-9, vous avez d'autres choses à penser que ça. À 9-9, vous avez besoin d'appuyer sur un bouton qui dit, calme-toi, et ce bouton, ça doit être la respiration qui est quelque chose de maîtrisé. Petite remarque, c'est quoi les principales erreurs lors de la respiration abdominale à ne pas faire? Alors, je ne sais pas s'il y a énormément d'erreurs qu'on puisse faire, mais ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est de voir le mouvement de abdominal, c'est-à-dire le ventre qui se gonfle, ouais, et la poitrine qui bouge peu. Voilà. Et après, petit à petit, on va avoir une certaine fluidité et de la tranquillité. Au départ, si on n'arrive pas à se détendre, on va peut-être avoir une respiration qui peut être un petit peu saccadée, un peu rapide. Donc, petit à petit, on va essayer au contraire de prolonger cette respiration, la ralentir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet outil de la respiration avant de passer au suivant? Alors là, je ne suis pas expert, je pense que ça doit être de la respiration ou autre, tu me diras. Le Reiki, Reiki, le Reiki peut-il être efficace? Ouais, je connais pas non plus. Voilà. Donc non plus, je suis pas expert. Francis qui nous dit que pendant qu'on respirait, il a préféré aller boire un coup, donc ça peut apaiser aussi, non? Ça peut apaiser. Après, je ne sais pas si entre les points, il peut aller se boire une bière, mais ça pourrait être une règle qu'on pourrait rajouter. Pour Pas les d'autres questions. questions? Non, Ouais. non, c'est tout après. Ok. Merci Francis. T'en prendras une à ma santé là, le prochain coup. Alors, on a parlé d'une démarche
cognitive, ensuite une démarche technique et évidemment, parfois c'est utile de pouvoir mélanger les deux et ça va être surtout quand on va parler de la mise en place d'une routine. Pour ça, je vous montre une petite vidéo. Allez, c'est parti. C'est la qualité moyenne. Alors le son est peut-être un peu fort, on va voir. Mais on a étudié cette routine qui fait très peur du gagnant, Rafael Nadal. Il a des tics. Toujours les mêmes. Quand il serre, attention, suivez bien. Il nettoie la ligne du pied droit, puis du pied gauche. Il se tape le pied gauche, puis le pied droit. Il se tire le slip, se tire la manche gauche, puis droite. Se touche le nez, l'oreille gauche, encore le nez, l'oreille droite. Vous ne me croyez pas? Regardez. Ligne, gauche, droite. Gauche, droite. Pied, slip. Pied, slip. Pied, slip. Pied, slip. Pied, slip. Pied, slip. Manche gauche, manche droite, nez, oreille, nez. Manche gauche, manche droite. Manche gauche, manche droite, nez, oreille, nez. Oreille. Manche gauche, manche droite, nez, oreille, nez, oreille. Et ça, il le fait 100 fois par match dans le même ordre. La preuve. C'est peur, Rafa, c'est peur. Voilà, une petite, un petit peu de bonne humeur et cette vidéo un petit peu ancienne, mais qui présente un petit peu les routines. Donc là, on est sur Nadal et puis sur un côté vraiment extrême. On n'est pas simplement sur une routine, mais sur des tocs presque. Mais on a... Hop. Mais voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'une routine. Il y a plusieurs personnes qui ont évoqué. Donc, une routine, qu'est-ce que c'est? C'est, donc, comme vous le voyez, une succession d'activités comportementales et mentales visant à nous aider à gérer une situation. Donc, je le redis, succession d'activités comportementales et mentales. Donc, ça veut dire qu'on a des attitudes en termes de comportement qui sont doublées d'attitudes mentales. Et si on regarde ce qui se passe là au niveau de Nadal, en fait, chaque fois qu'il est en train de faire un de ses comportements, il n'est pas en train de se dire ce qu'il fait. Mais dans sa tête, il y a une attitude mentale. Et c'est toute une routine de choses qui sont mises en place. Globalement, il prend le contrôle. Il a mis des choses en place dans sa tête pour pouvoir avoir le contrôle de ce qu'il va faire derrière. Même s'il y a peut-être certaines attitudes aussi qui sont automatiques. Alors, ouais, je vais vous présenter des routines. Donc, ça répond peut-être à la question de certaines personnes qui avaient été posées tout à l'heure. Là, on a l'exemple d'une routine. Donc, un joueur avec lequel on avait travaillé sur une routine de concentration avant le premier match. Le but, c'était pouvoir rentrer vraiment très concentré dans son match. Donc, cette routine, c'était quelque chose qu'il avait mis en place 15 minutes avant le début du match. Donc, à ce moment-là, c'est évoqué au début, il s'isole dans un coin. Première attitude, quand il s'isole, l'activité c'est il sautille avec comme objectif d'une activation physique et entrer dans sa bulle. En même temps, pendant qu'il sautille, il a une activité mentale, il se rappelle ses objectifs, il se rappelle ses schémas de jeu. Là, les objectifs, on est sur des objectifs de maîtrise comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc là, il est sur le jeu, il réfléchit sur ce qu'il a à faire et son but c'est entrer dans le match. Au bout de 3 minutes, il s'assoit et il essaye de se détendre un petit peu. Respiration abdominale. Donc là, il va alterner entre un moment où il a de l'activation physique et plus de calme. Donc il se calme, il se détend. À ce moment-là, il rentre sur la concentration sur soi. Il fait sa pause et donc son activité mentale, on est vraiment sur la respiration et le moment de faire une pause, se détendre. Ensuite, les 3 dernières minutes, il reste assis et il se prépare mentalement au jeu. Donc là, physiquement, il n'a plus trop d'attitude, il reste posé, mais il va faire de l'imagerie mentale où il refait tous les schèmes préférentiels réussis contre son adversaire. Exemple, il sait ce qu'il va faire le plus comme service ou comme remise et il est en train de préparer un petit peu tout ça. Donc, ce qui fait que quand il aborde le match, il est vraiment prêt et concentré sur ce qu'il a à faire.
Et puis 5 minutes avant, bah, il s'approche de l'aire de jeu, il est prêt pour pouvoir y aller. Voilà. Donc là, on est l'exemple d'une routine. C'est quelque chose d'assez classique qu'il avait mis en place et qui peut sans doute être repris par plein de joueurs. Il y a des personnes qui vont mettre de la musique, il y en a d'autres qui font comme Francis, qui vont boire une bière. C'est sans doute pas forcément la méthode la plus adaptée, mais elle peut être efficace. Le but, c'est de trouver quelque chose qui soit personnalisé pour chacun. Des questions à propos de cette routine? Non, il n'y a pas d'autres questions du coup. Ok. Alors, je prends un autre exemple d'une routine, c'est une routine de concentration entre les points. Donc l'objectif, c'était rester concentré dans les moments difficiles, maîtriser les émotions en ritualisant des actions qui se permettent de rester dans mon match. Donc c'était une joueuse qui avait sans doute un peu les problèmes qui ont pu être évoqués dans les questions tout à l'heure. C'est en cas de difficulté, et ben voilà, s'il y a les éléments déclencheurs, si on a une situation qui crée de la colère, de la frustration, il y a souvent une succession de points perdus et des grosses fautes. Ça crée de la colère et la personne commence à se parler, à se dénigrer, etc. Donc du coup elle a mis en place cette routine quand les déclencheurs étaient là, c'est-à-dire quand elle sentait qu'elle ratait un point facile, il y avait de la vigilance qui arrivait, quand elle jouait mal, quand c'était un moment important ou quand elle ressentait de la frustration. Donc à ce moment-là, il y avait le déclenchement de la routine. La routine, c'était celle qui est affichée à présent, donc était en 5 étapes. Première étape, donc là, elle vient d'enclencher la routine, elle vient de se rendre compte que ça va pas. Donc elle regarde ses pieds ou sa raquette, voilà. Et ça lui permet de se centrer sur soi, parce qu'en général, elle avait plutôt tendance à regarder l'adversaire, le public, l'entraîneur. On met souvent un ancrage. Donc là, elle avait un ancrage, c'était un mot. Le mot, c'était zen. C'est-à-dire qu'elle regardait ses pieds et elle se disait zen. C'était « je lance la routine, c'est parti ». Ensuite, elle allait faire un tour et elle respirait calmement au moins 3 fois le long de la séparation avec objectif de se calmer. Et elle ancrait ça avec le mot « respire ». Ensuite, elle finissait avec une grande respiration pour essayer de se libérer, prendre le temps, se faire du bien. Elle retournait à la table et elle se disait le mot « aller » pour se reconcentrer. Et elle regardait son adversaire. En même temps, elle réfléchissait au point suivant, c'est-à-dire que là, on était sur la préparation du point suivant. Donc, on avait toutes des choses qui étaient mises en place pour ne pas rentrer dans cette colère ou dans une autre routine qu'elle avait de façon automatique. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de routine qui a été mis en place. On aurait pu y rajouter de l'imagerie mentale dans la préparation du point suivant, par exemple. Il peut y avoir de l'imagerie mentale aussi sur la correction d'un geste, d'une grosse faute, des choses de ce type-là. Donc voilà un autre exemple de routine. Pas de questions, Gé? Non, il y a juste une personne qui dit que 15 minutes, c'est trop long pour lui et que lui, il fait 5 minutes. Ouais, donc c'était sur la routine précédente. Ouais, moi, j'avais, au moment, on avait fait une sorte d'interview d'Andrea Landrieux qui nous évoquait un petit peu ses routines et sa préparation. Et lui, il était sur beaucoup plus que 15 minutes, mais forcément, en fonction des enjeux, du niveau, etc., on ne va pas y mettre le même temps et le même engagement aussi. Nicolas aussi, qui se demande comment savoir l'efficacité de la routine qu'on a mis en place. Ouais. Alors, on va l'évoquer sur le fait de construire sa routine, construire sa propre routine. Voilà. Voilà, et François qui demande si ne pas tomber dans la précipitation entre les points, est-ce une routine ? Alors, quelque chose de négatif, ce n'est pas une routine. Une routine, ça va être quelque chose de… Enfin, c'est des attitudes. C'est-à-dire qu'une routine, ce n'est pas de ne pas faire quelque chose, c'est de faire quelque chose. Donc, ne pas tomber dans la précipitation, il faut trouver ce qu'on fait à la place. La routine qu'on a pu évoquer précédemment, ça peut être le cas. On peut la construire, du coup, entre deux points sa routine ? Oui. Bah, celle-ci, là, elle peut se faire entre deux points. Alors, la routine, normalement, elle est déjà construite. Là, on va l'activer au moment où il y a quelque chose qui est compliqué à mettre. Si on rencontre une difficulté, on va activer la routine pour pouvoir se calmer ou avec comme objectif, par exemple, de ne pas tomber dans la précipitation. Voilà. Donc, c'est possible, oui. Tu réponds tout de suite à la question d'Yvan qui demandait si la routine permettait de se vider l'esprit. Ouais, donc voilà, ça peut. Enfin, les routines, on va voir. Le but, c'est trouver un objectif.
Donc, ça va répondre un peu à ces questions. Donc, je vous montre comment construire sa propre routine. Donc, là, l'idée avec cet outil, c'est de vous dire, j'ai des choses qui me posent problème, ce évoqué tout à l'heure, le service raté, etc. J'essaie de définir ce que je veux travailler, mon objectif et mes besoins, les fins de set. Quand je suis à 9-9, je me sens pas serein. Voilà. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus. Donc, je trouve les éléments déclencheurs. Ben, ça peut être la fin de set, ça peut être une balle volée, ça peut être un point raté, une balle haute, etc. Voilà. Alors, je définis une succession d'activités comportementales et mentales à mettre en place dans cette situation. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a vu, hein, Nadal, tout ce qu'il pouvait mettre en place. L'idée, c'est qu'on ne ressemble pas tous à Nadal. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais enfin, en tout cas, sur ses routines. Mais par contre, voilà, la serviette, le fait d'aller tourner près de la séparation, faire rebondir la balle, etc. On a plein de joueurs qui ont tendance, quand ils ont eu un moment difficile, de voir se précipiter à faire le point suivant pour pouvoir se débarrasser de ce mauvais souvenir. Non, le but, c'est de prendre le temps d'évacuer ça. Et donc, on va faire une routine. Et cette routine, elle a souvent trois objectifs sur ce qui se passe entre les points. C'est récupérer du point précédent, récupérer physiquement. Et deuxième objectif, récupérer mentalement. Voilà. Et enfin, le troisième objectif, c'est préparer le point suivant. Donc, ces trois étapes-là, on va essayer de les mettre en place avec des petites attitudes comportementales liées. Donc, faire rebondir la balle, comme je l'ai évoqué, s'essuyer. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tester ça, mais d'abord à l'entraînement. Donc oui, à l'entraînement, si vous mettez en place des routines qui peuvent être plus longues que ce que vous faites d'habitude à l'entraînement, ça va peut-être saouler un petit peu votre partenaire, mais à un moment, notre idée, c'est aussi de pouvoir mettre des choses en place à l'entraînement proche de ce qu'on peut faire en compétition. Donc moi, je vous encourage à essayer de le tester à l'entraînement et puis après de le faire évoluer. Il n'y a pas un joueur qui a eu une routine qu'il a trouvée et puis qu'il a gardée toute sa carrière. Ça a toujours évolué parce qu'on trouve des choses nouvelles et puis parce que les joueurs peuvent évoluer aussi en fonction de comment ils évoluent dans leur jeu et leur attitude. Une petite question, faut-il attendre d'être en difficulté pour faire sa routine ? Alors, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le but c'est de voir les éléments déclencheurs. Donc faire la routine, c'est par rapport à une difficulté, mais il y a une notion de prévention par rapport à ça. C'est-à-dire que le but c'est pas de la faire quand c'est trop tard. Voilà. Donc, on met en place cette petite routine quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir arriver. À nous de voir quels sont les éléments déclencheurs par rapport à ça et mettre en place la routine avant qu'il soit trop tard. Donc, ça veut dire quand on a déjà pété un plomb, la routine, elle aura un autre objectif. Là, on va pouvoir peut-être mettre en place une routine, c'est se reconcentrer. Mais c'est peut-être mieux d'avoir une routine pour éviter de se déconcentrer. Est-ce que j'avais d'autres choses sur les routines ? Non. Ouais. Donc, voilà, j'en ai fini sur les routines. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, tu vois. Là, tu as fait le tour. OK. C'était le troisième outil que je voulais vous montrer. Troisième et dernier outil. Du coup, j'en ai fini sur toute ma présentation. Combien de temps ça fait ? Ah ouais, 1h30. Alors, pour conclure un peu sur tout ce qu'on a pu voir, vous avez pu vous rendre compte qu'en 1h30, on a surtout abordé des éléments de surface, mais que j'espère que ça vous a donné envie d'aller gratter un petit peu là-dedans et de tester des choses. Bon, évidemment, tester en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, on est assez d'accord par rapport à ça. Mais je vous encourage quand même, par exemple, la respiration, à essayer de le mettre en place. Les routines, vous pouvez y réfléchir un petit peu, mais ça, c'est quelque chose qu'on mettra en place plus quand on sera proche du jeu. Et évidemment, la gestion de l'erreur de la même façon. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que j'allais. Oui. Maintenant, pour pouvoir poursuivre à ce niveau-là, vous pouvez soit poursuivre tout seul, soit aller chercher dans des bouquins, en sachant que préparation mentale en tennis de table, il n'y a pas grand-chose. On a des choses dans le tennis ou même dans d'autres sports, et vous pourrez trouver assez facilement. Je n'en ai pas forcément à vous conseiller, mais il y a des choses qui sont assez sympas en général. Il y a des vidéos sur Internet, et puis il y a des préparateurs
chercheurs mentaux qui interviennent assez régulièrement. Moi-même, je vais faire un petit peu ma pub aussi dans l'histoire. Donc, moi, je fais de l'accompagnement individuel par Skype aussi pour ceux qui sont à distance. Je vais poursuivre par rapport à la conférence qui est faite là. Je vais faire des ateliers qui seront proposés. Donc là, j'en propose un à la suite de cette conférence qui est sur la découverte de l'imagerie mentale. Donc, deux différences. La première, c'est que c'est payant, ça coûte 10 euros. Et la deuxième, c'est que c'est quelque chose d'interactif et donc avec beaucoup de discussions. Et donc, ça sera limité à 20 participants. Voilà. Donc, vous avez la fiche qui se présente là. C'est joignable sur mon site ou la page Facebook où vous avez normalement sans doute de quoi me joindre. Vous n'hésitez pas à vous inscrire, communiquer si besoin. J'en ferai d'autres aussi. Il y en a un autre qui est prévu, mais je n'ai pas encore fixé la date, qui sera sur la fixation d'objectifs. Et puis un ensuite que je suis en train de préparer aussi, qui sera sur la gestion des émotions. Voilà. Donc, et puis je vais sans doute en proposer d'autres. Volontairement, je suis parti sur des domaines qu'il est intéressant d'aborder, même si on n'aborde pas la compétition actuellement. Voilà. Donc, même si on ne pratique pas, ça nous permet de pouvoir le découvrir dès à présent. Voilà. Donc, voilà, j'en ai fini un peu avec ce diaporama. Je vais l'enlever. Et on peut répondre aux questions. Vas-y, Jérôme. Alors, une question par rapport au PowerPoint, comment se le procurer? Donc, on le mettra en ligne, on l'envoie par email, comment tu veux qu'on procède? Ouais, je ne sais pas. Ouais, on l'enverra par email, c'est le plus simple, je pense. OK. Une question de François. Que pensez-vous de la méthode Target en préparation mentale? Alors, la méthode Target. Voilà, donc c'est ça, donc c'est bon signe. Si j'ai le bouquin, c'est que c'est quelque chose qui me plaît. Mais voilà, vous voyez, c'est un peu épais. Donc la méthode Target, c'est un vrai pavé. Et si ça vous intéresse, allez-y. Mais c'est quand même assez compliqué quand même. Donc moi, je dirais que c'est pas forcément pour les novices. Moi, je le trouve intéressant parce que on a vraiment plein d'éléments techniques qui sont, enfin, des outils pratiques à mettre en place. Mais pour moi, c'est plus à destination de préparateurs mentaux que d'entraîneurs ou de joueurs. Tiens, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas grand-chose à vous conseiller. Je peux vous en conseiller quand même un. Tennis, qu'on s'appelle Penser comme un champion. Voilà. Et il s'appelle Jean-Philippe Vaillant. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Même il a écrit un truc sur le golf et il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits. Il y a un gars aussi, je crois, qui est aussi du tennis, qui s'appelle Ronan Lafay ou Lafex, je ne sais pas comment on prononce, qui a un truc, une approche particulière, et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est aussi intéressant à aller voir. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nicolas qui fait une petite remarque, un petit constat. Le plus dur, c'est de savoir d'où vient l'erreur. Personnellement, j'arrive pas à dire si c'est ma technique ou mon mental qui me fait louper des points faciles, en sachant plus que j'ai l'impression que mon mental est bon, mais que c'est en match que je loupe ces coups. Mmh. Bon, alors, si le mental est bon, mais qu'en match, on ne joue pas aussi bien qu'à l'entraînement, j'en déduis qu'il y a quand même des choses à essayer de faire évoluer au niveau de du mental en compétition. Après, ça peut être, on peut avoir un bon mental sur certains éléments. Hein. Par exemple, moi au niveau mental, j'ai toujours très bien géré ma motivation, ma frustration, ma colère. Des crises de colère, je l'ai très rarement fait. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que j'arrivais pas à gérer, c'était la peur. J'avais peur pendant un match, j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Voilà. Ma colère, j'arrivais à m'en sortir. Ma peur, non. Donc moi, j'ai travaillé pendant longtemps pour essayer de ne pas me mettre dans ces situations où j'allais avoir peur. Voilà. Parce que je savais que quand j'étais dans la situation où j'avais peur, j'avais du mal à m'en sortir. Donc même avec des connaissances sur la gestion des émotions, c'est pas toujours facile d'avoir des solutions. Très bien, je note. Te faire peur pour te gagner. Voilà. Il y a une question de Jean qui demande comment tu trouves le livre « Tennis de table et force mentale » de Wallner. Je ne l'ai pas lu.
mais ça m'intéresse de le savoir justement. Je voulais, oui, je voulais aller voir un peu ce que ça valait. Je vois sur le chat, on nous parle de Luis Fernandez aussi, savoir gagner. Donc oui, Luis Fernandez, c'est quelqu'un aussi qui a pas mal travaillé, qui a suivi beaucoup de pongistes. Bon, ça reste assez ancien maintenant, mais ça reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de renommée. Mais ses bouquins, je crois qu'ils sont pas, ils sont plus édités. Je suis pas sûr qu'on arrive à se les fournir. T'as la relation aussi entre la nutrition avant le match et le stress. Oui, bah, on l'a évoqué tout à l'heure sur le fait que tous les domaines étaient liés, c'est-à-dire que le mental va avoir un lien sur la technique, la tactique et le physique, mais ça va marcher aussi réciproquement. Et si on ne se sent pas bien physiquement, on risque de ne pas bien se sentir mentalement aussi. Donc tout est lié par rapport à ça, et la nutrition va avoir aussi de l'incidence sur nos sensations physiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, beaucoup de remerciements de la conférence. On vous Ah, remercie d'être c'est présent gentil. aussi. Je pense qu'on peut clôturer du coup, Yann. Ouais, mais ben écoute, très bien. Je vous remercie pour votre participation. J'ai pas trop toussé. C'est une bonne nouvelle, t'as vu, je suis fort. J'ai le Covid. Ouais. Ah ouais, vous avez vu, je suis en forme quand même. Hein. Voilà, le Doliprane fait quand même des choses. Mais voilà, il y a 2 jours, je n'étais pas sûr de pouvoir être bien en présence avec vous. Et puis finalement, le Doliprane m'a permis de pouvoir rassurer. Donc voilà, je suis bien content. Et en plus, je n'ai pas trop toussé, c'est parfait. Je vous souhaite de ne pas l'avoir en tout cas. Merci à tous. À très bientôt, peut-être sur un ping-pong en VR d'ici peu de temps. Je vais peut-être m'y mettre pour me défouler. Et puis, j'espère dans les salles. Merci, au revoir à tous. Au revoir.